Tiré de nuit. Oh là là. Hello tout le monde, il est 8h. Tous les matins je me lève à 8h, je prends une douche, je m'habille, je prends le métro et je pars. On se retrouve dans une heure à l'agence Follow. Je suis prêt, c'est parti. Je ne veux pas travailler. Bon, me voilà bien arrivé à l'agence Follow. Donc pour vous expliquer, parce que je vous ai jamais expliqué, en fait moi je travaille à l'agence Follow depuis bientôt 3 ans. Donc à l'agence Follow, moi j'ai tout fait, j'ai fait commercial, j'ai fait la production, des petits trucs à gauche, à droite. Je suis là depuis le début. Donc pour vous expliquer très rapidement maintenant ce que je fais, moi je travaille avec Anya, et c'est une grande blonde anglaise. De toute façon je vais vous la montrer au fur et à mesure de ce vlog. Je travaille avec elle dans le pôle avantage. Donc le pôle avantage c'est tout ce qui est les voyages, les hôtels et plein d'autres choses. Donc cette semaine c'est une semaine très intense. J'ai des tournages donc pour Enzo, pour Jules, pour Sullivan, l'anniversaire de Maya à préparer. Donc vous verrez, c'est à la fin de la semaine, donc je pense à la fin de ce vlog. J'ai des hôtels à réserver, il y a plein de soirées, plein de choses à faire. Là je vais aller répondre à des mails parce qu'il y a énormément de mails. Et là je reçois encore, ça n'arrête pas. Je dois aller à Leroy Merlin chercher des choses pour des tournages. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, maintenant je suis responsable du studio vidéo photo de l'agence. Donc ça fait genre une semaine qu'on a un studio vidéo photo, l'endroit où tous nos influenceurs vont tourner leurs vidéos, où on fait les shootings photos pour les marques ou les shootings photos normaux. Vous allez tout comprendre, je vous emmène avec moi dans cette petite semaine et c'est parti. Et pour commencer je vais aller faire un truc pas super intéressant pour vous, je vais aller répondre à tous mes mails. Je veux seulement doux. Moi je vais essayer de venir, Olivia. Là je paye et ensuite j'appelle l'hôtel. Anya. Oh là là, toujours en train de bosser. Bon là je vous explique, je me suis mis dans la salle de réunion, la salle rose de chez Follow. Et là je vais devoir rappeler les influenceurs un par un. On fait une réunion par mois avec eux pour planifier des dates. Allo Enzo, ça va? Si tu veux on peut commencer à partir de mardi 12. Oublie pas, tu dois venir récupérer Lego aussi. Voilà, c'est super rapide et je dois faire ça avec tout le monde. Allô? Allô, ça va? À partir du 18 du coup? Bon, je viens d'appeler une quinzaine d'influenceurs là. Je vais bientôt aller manger avec Maya. Oh. Voilà ce qui se passe aussi tous les jours chez Follow. Des colis, des colis, des colis. Et en gros, les influenceurs, ils ont tous des casiers. Et tous les colis, faut les ranger pour que quand ils viennent à l'agence, ils récupèrent les colis. Qu'est-ce que t'as reçu, Mathias? Pour qui? Jules. Dior, il prête ça à Jules pour ses vacances à New York, pour qu'il puisse faire du contenu. Et là, vous avez Mathias, le grand styliste de l'agence, celui qui habille toutes les stars. Oula. Bon, c'est l'heure d'aller manger. On va au Jap à volonté avec les bébés. Ouh. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon bah voilà, on a tous pris 5 kilos, on est tous énormes. Tu veux plus bouger? J'ai pris la trottinette que Maya l'a posée il y a une heure, moi je l'ai cachée. C'est chiant. Non mais vous êtes chiant, on parle là. Bon Hubert. C'est l'heure de la promenade de Peps avec Anya. Peps, peps. Il y a Ryan qui m'a rejoint à l'agence. Et là on va se diriger vers le nouveau studio de l'agence. J'ai plein de choses à déposer vu qu'on vient d'emménager dedans. Faut que je récupère des vêtements sur place pour les envoyer chez Maya. Je fais genre de rien, comme si t'avais pas vu. Bien arrivé au showroom ma belle. Yes of course, you know this is like e-first. Là je viens de quitter le studio et je me dirige vers mes super potes Wesley et Joa. J'y vais au moins 3 fois par semaine. Passe la petite soirée, danse, musique, marseillais. Et voilà, en trottinette. Oh, c'est génial! Les Marseillais, c'est trop bien! Bon, après avoir fait une heure de bêtises avec les amis, on se dirige à l'inauguration du livre de Tanzira. Je t'ai vu! Oui, oui, je t'ai vu! Et bien voilà, la soirée est finie. On a eu le petit cadeau. Frédérico m'a rejoint, il dort chez moi ce soir. Cette journée eh bien, est finie. Sans, je vais pas vous filmer quand je dors. On se retrouve demain. Hello tout le monde, nouvelle journée, je vous emmène avec moi. Salut tout le monde, on vient de recevoir toutes les cours. Bon, je suis bien arrivé à Leroy Merlin, faut que j'aille récupérer des planches, des tréteaux, du papier, plein de choses pour les tournages de Jules, Sullivan et Enzo. Je suis à bout, je dois trouver des cadres en 15x20. Regardez le nombre de cadres qu'il y a. Non mais là, ça y est, je suis à bout en fait. Ça fait 4 fois que je me fais refuser le hub.
En même temps, d'un côté, je les comprends, la planche, elle fait presque ma taille. Bon, c'est bon, du coup, j'ai enfin réussi à trouver un Uber. Là, je rentre à l'agence, tout déposé, et après, je vais partir manger. J'ai une carte follow ? Ouais. Oui, dans ma poche. On va dépenser tout l'argent follow. On va aller s'acheter des fringues aux Galeries Lafayette. Bon, on vient d'arriver au studio avec Frédérico parce que là, on a le tournage du coup de Jules et Sullivan. Fred, il va partir un photoshoot avec Paola. On vient de se rendre compte qu'en fait, on oubliait la caméra, le plus important, chez follow. Du coup, là, je retourne chez follow, je récupère Jules, je prends Uber et je reviens ici. Il est sympa ce petit pull. Ça, Maya. Ça porte les pulls de son mec, de sa meuf. Thomas et moi, pendant 2014, on savait pas du tout. C'est trop. Pire ennemi. Il faut savoir, en fait, Thomas, à l'époque, genre, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais du lendemain, c'est devenu un ange. Bon, c'est bon, Jules a fini sa vidéo. Donnez Jules de la France dans les commentaires là. Ah Thomas oui est de retour. Ah oui, 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 oui. Bon, je viens d'arriver à l'agence et là, je vois qui? Le clochard. Hello. Thomas, viens voir. Je vais venir juste pour ouvrir la porte. Ouais, quoi? Faut ouvrir la porte. Mais elle est folle. Thomas aujourd'hui nous a sorti un super pull hyper girly. Ouais mais par contre faut juste déballer les courses s'il te plaît. Bon après ma journée de travail je suis arrivé chez moi. Pourquoi vous êtes chez moi? La même. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est un américain Wesley. Non mais attends, tu penses que je suis un trépied mon ou quoi? Oh là là, je voulais te tuer. Ça là c'est quoi ça? Attends, parce que là je vais pas être d'accord. Il ouvre le saumon. Le saumon qu'on mange déjà, c'est vraiment même pas de là. Là, il est quelle couleur déjà? Il est déjà plus récent. Bon, et bien voilà, après une dure journée, nous sommes rentrés. Je dis nous parce qu'il y a le grand Frédérico. Il mange son petit McDo, moi c'est sushi. On va se doucher, on va regarder un film et on va dormir parce que demain, grosse journée. Bon, aujourd'hui j'ai trop de choses à faire, là je vais aller faire une mini réunion à Kanya. Énormément de choses à faire aujourd'hui, on va se répartir les tâches. Il y a des tournages, l'anniversaire de Maya, il y a plein de choses à préparer, je dois aller chercher son cadeau à faire. J'arrête pas de me faire harceler par toute la terre parce qu'il y a plein de gens qui attendent des colis. Juste qui veut sachez, aujourd'hui c'est les 7 novembre, ils ont sorti les tasses Christmas cups chez Starbucks. Ok, vas-y. Donc Thomas, tu passes à ce tableau et tu vas regarder. Donc moi j'ai déjà fait hier, mais regarde. Donc il y a Maxence. Tu vois, ils sont où? Ici, ils sont au bureau, ils font envoyer une conseil. Maya, il faut faire une conseil. Maya, ici. Allez, acheter. Scotch. Ok, bon, j'ai reçu mes tâches. Là, je dois faire ma phobie, c'est-à-dire remplir le frigo. Voilà, j'ai tout fini. C'est tout beau, tout propre. J'ai acheté le cadeau de Maya. Du coup, on se retrouve quand je vais chercher le cadeau de Maya. Oh, ça sonne encore. Non. Bon, je viens de sortir chez le coiffeur. Ah. Ça va? Ouais, bah, là, ça va, ça a pas trop changé. Tout le temps en train de critiquer l'anglais. Bah, non, mais je pense qu'il avait vraiment coupé ses cheveux, quoi. Anna, ah, m'emmène à la cave. Oh non, je veux pas faire. Ah, go. Va devant. Pourquoi? Ça fait trop peur. Allez, gaga! Qu'est-ce que tu cherches? Je connais tout. Je sais pas plus. Viens, j'ai l'impression que tu vas me laisser toute seule, je te connais. Mais Anya, tu crois que je vais partir dans le noir tout seul? J'ai l'impression que je suis fermée. Thomas! Vas-y, c'est bon, j'y vais. Vas-y. Oh là là. Elle a peur des gouttes d'eau. Je vais aller à Shadow le matin, on fait les cadeaux, comme ça on revient. Bon, là on va se diriger vers Shibu. On vient d'arriver chez vous avec Anya, c'est déclassé. La déco elle est trop bien, Maya, elle va kiffer. C'est déclassé. Anya au travail. Non mais Anya elle me fait faire des trucs de primaire. Et puis en plus pendant ce temps-là on se fait regarder par Maya. Anya, j'ai remarqué tout ce que tu fais c'est plus simple que moi. Là regarde comment c'est simple le petit cadeau. Bon, on a fini toute la déco, tout ça, donc là on rentre, je vais aller me doucher et après, anniversaire. Après une petite douche, une coiffure de BG, on va à l'anniversaire de Maya. Bon, je suis bien arrivé à la soirée, ça va bientôt commencer. Il y a les premières invités, on attend Maya. Aïe. Des belles. Falling into me.
Bon, c'est bon, on a acheté le gros cadeau pour Maya. Moi, j'ai acheté mon petit cadeau que je lui offrirai ce soir au restaurant. Ah, et là, on l'a rejoint au restaurant. Joyeux anniversaire! Merci! Miam, miam, miam! Anniversaire Maya, bon appétit! Joyeux anniversaire! Le cadeau des copies! L'anniversaire de Maya, on voulait aller au bowling, on est rentré, ils nous ont dit minuit, c'est-à-dire dans 2 heures. Donc là on va rentrer avec les copines. Oh ta gueule! Bon du coup on prend le métro et on rentre. Bon. Et bien voilà, on est rentré de l'anniversaire de Maya, vendredi soir, donc c'est-à-dire que c'est une fin de semaine, donc un fin de vlog aussi. Donc j'espère que vous avez kiffé ce vlog, je sors des vidéos très régulièrement à partir de maintenant, sachez-le. Donc en espérant vous dire à la semaine prochaine pour de vrai. Bisous.